Il y a un cours d'eau, mais est-ce que ça jouera vraiment? Ça devrait aller. Voilà, c'est fait. Là, on perd un peu en nourriture. Putain, ça c'est toujours pas fini. Ce sera fini au tour suivant. Merci. On va vendre, hein. C'est bien de... huit crédits. Tac. 316. Parce qu'on a réussi à avoir un petit bonus. Qu'on peut réinvestir. N'achète rien, prends-le par la force. Ça ne marche pas avec tout. Tu vas bien né. Manger, du coup je suis chill dans mon lit. Et toi, jeune homme? Au revoir. Je me suis fait charcuter par un dentiste hier et il faudra attendre encore un petit peu avant que ça aille parfaitement. Les nomades attaquent nos commerçants. Zedalia Territory Nomades. Zedalia, c'est là où j'amasse mes troupes en plus, non? Ouais, parfait. Ordonnez à l'armée de les aider. Roger that. Cool. Ils sont montés sur une espèce de scarabée à deux pattes. Pas tout à fait un vélociraptor. Sympa. Le reste, ça va.
Énergie, solar panel. Ah, c'est parfait ça. Ça demandera d'avoir un petit peu de ressources de côté, mais c'est vraiment cool. J'ai pas encore eu le temps de regarder le truc que t'as envoyé dans le général avec enfin le clip que t'as envoyé dans le général mais c'est bien War Thunder. Quatre machineries sécurisées. Yes. Décision. Yubo. Le temple mystique qui demande de l'aide. Ouais, malheureusement, je suis un peu. On est un peu sec au niveau liquidité. Oh, ouais! Non, peut-être, on a fini? Non, on n'a pas fini. 0-1 tour. Je pense que ce sera fini au tour suivant. Oh, hall librairie ici. BP plus 25. Elle est où leur ville? Non, c'est pas ça que je devais faire. C'était par range. Hide unit. Elle est où leur ville? Attends. Ça c'est leur ville. On est d'accord. Et vu qu'ils sont tous là-dedans, si j'arrive à les encercler, on élimine le truc. Je suis pas si mal. Ça se tente. Ouais, voilà, c'est intéressant comme truc. On a quoi ici? On sait pas ce qu'on a. De dino. Il y a la zone de contrôle, donc on peut pas le faire. Et là-haut, on a les Mujahideen qui ont disparu. Où est mon... Mes chars sont là. C'est quel genre de terrain? Pardon, c'est écrit là. Trop de pavots, ça brûle les Mujahideen. On va laisser nos blindés en terrain découvert. Je suppose que ça leur sert davantage pour la défense. Par contre,
vous pouvez venir là. Non, mais non, on compte pas vous attaquer, c'est pour des exercices à la frontière, pas d'inquiétude. Bon, le reste, ok. Décision, pardon. Du coup. Négatif, on va pas pouvoir. Ils ont quand même de mauvaises compos, les ennemis. Ouais, bon, c'est le début. C'est les factions mineures en plus. Franchement, je préfère ça au lieu d'avoir des cataphractes en face. C'est bête que tu sois... Enfin, c'est con parce que... T'es pas mauvais, mais tu fais que des conneries. Relation naturelle 36. Ouf. Soutien chez les soldats a pris un mauvais coup. Alors attends, c'est quoi ça? Difficulté pour générer fake point. Oh, donne deux extra points de destin. Difficulté 150. Faut qu'on lance un G, pardon, 1 dé 100 plus 33. Je suis pas super bon en maths, mais je pense que c'est mort. J'ai qu'à faire une mine de métal. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé aussi le fait de devoir faire mes routes moi-même. Politicien engagé. Ah, 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 ça y est, ça monte. Enfin, faut pas faire gaffe à ça. Ça y est, c'est construit. Ouais, c'est construit. Super. Hop, la mine. Pardon. Alors, on aura besoin de quoi pour la mine? En fait, la bêtise que je fais, donc, pour illustrer, ici vous avez votre coût de fabrication. Et ça, c'est le coût par tour, et pas au total. C'est bien ça, hein? Deux machines, ouais. J'en ai 8, ça va, j'en ai trouvé plein.
Voilà, et c'est moi, c'est l'erreur que je fais à chaque fois. Tellement habitué à ce que les jeux te comptent le coût total là-dedans. Niveau énergie, j'ai pas fait gaffe, mais je dois être bon aussi. Ouais, c'est bon. Je paye direct. Ouais. Hop. Twink. C'est parti! Le ravitaillement a du mal à passer en forêt, c'est bizarre. Give you 3% to... Pardon. Fixe profil si tu si tu envahis. Déjà, on va voir ça. Pas sûr qu'ils ont une ville, c'est con. Zedalia. C'est pas une ville? Je croyais que quand c'était écrit comme ça, ça comptait comme une ville. Ah non, tu me diras, ils ont ça. Bon, ils ont peut-être pas de ville alors. Mais ils sont sur des aliens. Ah, il y a peut-être un truc que j'ai pas vu. Dans tous les cas, je veux ça, je veux la vieille librairie. Ils sont sur mes terres, ils le savaient juste pas. Donc ouais, si j'attaque comme ça, 3% de fist profile. Ok. Et si on fait avec un stratagème? Tu ne boostes pas ton fist, ton point. Ok. Peut être intéressant, ça dépend de ce que vous voulez faire. On a des problèmes au niveau de du ravitaillement, donc on va attaquer de front et tant pis. À moins que je fasse ça. Ça va être gênant pour la suite, ça. Ça peut peut-être passer. Ils exploitent Denver, le dernier dinosaure. Oh la vache. Un peu poussiéreuse cette référence. Quarante-huit. Oups. Vu les paramètres de base, honnêtement, je suis pas mécontent. L'objectif de base est pris. Je sais même pas s'il y a un lore derrière son arrivée. Je crois que si. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc je me trompe peut-être.
ça remonte. Nous sommes aimés. Le PRU qui a 59%, bonheur 86, parfait. T'en sors bien en tout cas, GG. Merci beaucoup. De toute façon, à l'époque, les épisodes sortaient jamais dans le bon ordre et c'était souvent pas l'épisode prévu dans les magazines TV. J'ai vu ça quand je suis passé chez mon père là, il y a quelques semaines. Mon père fait partie de ces gens qui ont une télé. Hein. Je veux dire, c'est un truc qui a clairement été arrêté à notre génération. T'avais une série qui passait. Trois épisodes d'une série. Épisode 1 et 2, c'était la suite. Et puis l'épisode 3, tu sais pas pourquoi, ils ont fait un truc qui était. Genre un épisode qui était beaucoup plus loin dans les saisons. Enfin, un des premiers épisodes, tu vois. Ils ont carrément coupé la continuité, puis reparti avant. Je compte sur toi pour stream jusqu'à 9h du matin. Comme ça, je fais ma nuit devant ton stream. Et ben, j'espère que tu pourras t'endormir avant ça. On va pousser encore un petit peu par là. J'avais compris, c'était con, débile les programmateurs TV. À mon avis, c'est plus simple que ça. Hein. C'est juste, ils ont déjà les droits pour diffuser les anciens épisodes et ils ont besoin de diluer à mort les nouveaux pour durer plus longtemps. Mais bon, quand c'est deux très bons épisodes et que t'as juste envie de voir la suite, bah ta fille. Personne ne regarde le troisième. Il est assez tard, hein, le troisième épisode. Je sais plus si c'est 11h ou minuit. Donc ouais, il y a sûrement une baisse d'audimat qui joue beaucoup là-dessus. Ils sont tous endormis devant. Le père l'était en tout cas. On a perdu des buggy. Ah, ils ont réussi à percer. Bon, tu me diras la pointe sud, enfin la pointe est était vraiment pas. On a perdu les chars. Ah merde, ça c'est plus embêtant. Oh cool. Un petit rush bureaucratique. Le ravitaillement est mauvais. Attends, et quand on avait. Bizarre. Faire un petit sauvegarde.
C'est bon, on peut les perdre, c'est pas un problème. Ah, comme ça on a la route à côté. Et à mon vu la longueur de la route, à mon avis, il faudra qu'on fasse un poste routier ici ou quelque chose comme ça. Parce que je pense que je suis au bout de toute façon de ma capacité logistique. Les séries 16, 18, c'est à partir de minuit, tu peux pas faire comme si tout le monde dort. Ouais, après, là, c'était une série, je sais plus, moins de 14 ou quelque chose comme ça. Esprit criminel, c'était. Qui a bien changé depuis que je suis gamin. J'aimais bien ce truc-là. C'est... Scientifiquement, ça vaut pas grand-chose niveau psychologie, mais c'est pas grave. C'est pas le but. On gagne combien d'argent? Il me semblait que toutes les séries policières c'était super tard. Non, là, ça commence à 21h. De toute façon, il n'y a que ça des séries policières sur la télé. C'est fou, je regarde quasiment plus la télé. On n'en a même pas une ici. Enfin, je veux dire, on a la télé, mais pour la console. Les Marseillais à Marseille et Feu de l'amour, c'est compté comme série policière. Ça passe pas le soir, ces trucs-là. Ce genre de série, ça prend les crédits, enfin les créneaux de journée. Enfin, si c'est comme, comme il y a 5-6 ans, quoi. Le PRU a gagné avec 86% des votes. On a découvert les universités. Oh oh oh, ça c'est cool. La mine de métal. Construction terminée. Faudrait que j'arrive à forcer l'attaque, mais j'ai pas assez de ravitaillement pour de toute façon. T'as un asset de truck? Non, pas encore. Toi, tu vas reculer un peu, regagner en ravitaillement. Et on te fera repasser à l'offensive. Faut que tu le prennes. Ouais. Nationaliser le truc de camion et puis sûrement faire un dépôt. Honnêtement, je me demandais si j'allais pas faire joindre ces deux routes-là et faire un dépôt routier au milieu. Comme ça part des deux côtés.
Celui de ta ville en priorité 1. Ouais, le problème c'est qu'il faut nationaliser. De l'argent pour... Ah, quoi, il faut pas que 500. Transport hub. Si, 500. Ok, cool. Ouais, c'est fait. On va vendre un peu de métal. Voilà. Plaque commémorative militaire. Je revends des trucs. Regarde preview dans le panneau log, deuxième onglet sur la droite, ça marche. Oh boy, tu vas bien. Là, ils ont un petit peu de mal à rallier jusque là-bas. Hein. Ça va. Cette partie se passe mieux que... Que ce qu'on avait fait précédemment. Du coup, est-ce que ça signifie qu'il faut que je fasse une station ici? Pas de nouvelle organisation pour le moment. Université Asie. Essaye de bloquer une route. Alors, pour voir s'il y a un effet. Traffic sign. Je fais comme ça. Que à gauche. Donc j'ai pas l'impression que ça aille nettement plus loin. Hein. Et si je bloque là? Il a pas dit que c'était T? C'est pas T chez moi en tout cas. Ah si, ouais, c'est marrant, ça marche pas. Bah, c'est pas grave. J'ai peut-être pas assez cliqué. Ouais, pas de changement. Ah non, ok, c'est parce qu'il faut que je reclique dessus. Je voulais voir si je bloquais à droite, si ça forçait plus de ravitaillement à passer par là. Mais c'est pas le cas. Mais c'est pas grave, on va faire. On va être bof jusqu'au bout. On va faire une station routière à côté du bordel. Faut que tu canalises ton flux. Ouais, même chose. Parce que ça va aider, on est d'accord. Ou c'est une base de ravitaillement qu'il faut que je fasse?
T'as bien acheté l'hub? Attends. Hop. Pour moi, ouais, j'ai acheté le truck station. La base de ravitaillement prolonge que tes points de logistique. Le truck station crée des points de log. Ouais. Ok. Dans ce cas-là, dans le cas présent, qu'est-ce que je dois faire ici? Un bunker, yay! Truck station, ok. C'est parti. Ah, c'est tellement cool. C'est tellement beauf aussi. Tiens, attends, il n'y a pas Das qui avait fait un truc avec ça. Ou si tu bloques là. Faudrait que je regarde comment il avait fait déjà sur la vidéo. Mais en gros, il avait fait en sorte qu'il n'y ait que du ravitaillement qui vienne et pas qui parte. Je regarderai à nouveau. Mettrait tout sur la route du sud. Ouais, le problème c'est que sur ma route du sud, je suis pas sûr que ça. Ah bah attends, non, il y a la route là. Bien vu. Bloc à gauche, ouais. Attends. Donc, je bloque ça et je bloque ça. Désolé, hein. Un peu. Pourquoi pas? Ok, on verra bien. Mais sans le pull point. Ok. Bloque pas les poules. Ok, donc comme ça. Ouais, ça on... Ou alors je bloque les poules là, mais pas là. Exact. Ok, cool. Je suis pas sûr de comprendre, mais je regarderai. J'espère que j'aurai le temps d'en faire un peu, de j'aurai le temps de lire un peu demain quand même. Tu fais quoi ce week-end, old boy? Vais me chercher une bouteille d'eau, j'arrive.
Alors, pas de perte, pas de tuer, une décision, 71 rapports. Rien à la maison, c'est pas mal aussi. Oula, qu'est-ce qui se passe? On entre dans une décade de révolution. Ah. Notre faction la moins puissante va commencer à s'attirer beaucoup de support. Ah zut. Bon, soit. On peut proposer une paix. Ah bah voilà! Je sais pas ce qu'on a fait, mais ça a marché. C'est pas déjà construit. Non, c'est pas déjà construit. Y a du mieux. À chaque tour, ton QG envoie les points logistiques depuis chez lui, ça en afflue si t'as des embranchements, l'afflux est divisé. Ouais. Parce que c'est couillon. Le but, c'est de faire de la route. Bon, une fois que ça c'est construit, on va construire. Il faut qu'on voit pour l'apport nutritionnel. Ah mince. Apparemment, on a des gens qui se sont établis quelque part. Là-bas. Qu'est-ce que tu veux que j'aille vous chercher? Ah mince, il y a un robot en plus. Hop. Roger that. Ouais, je vais essayer de les faire venir, mais bon. On va pas, je vais pas prendre l'engagement de les faire venir, si tu veux. Je suis pas sûr qu'on ait gagné de l'argent. Ça va. Ça, c'est dommage, on l'a raté un peu et on pourra pas l'avoir. Ah si, attends. Non, je me trompe. BP production d'atteindre 118. BP production. Oh, c'est bon. Ah, dans 5 tours. Ouais, non, dans 5 tours, on l'aura pas, ça descend. Mip, mip, mip. Hop, tour suivant, on lui botte les fesses. On a 4 fate points. Et j'ai une carte qui m'en coûte 4. Qui a l'air vraiment, vraiment cool. Zone. C'est où? Nation. On a les archives anciennes. Découverte random d'une nouvelle technologie. C'est ultra prématuré pour l'activer. Ce que je suppose. Ok, on va attendre de passer à cette ère technologique. Ah, quoique. Moi, si. Si, on va attendre de passer là. C'est plus.
voir les faits qu'autre chose qui m'intéresse. Un espion, il n'y a pas besoin. Proposer la paix, il n'y a pas besoin pour le moment. Nouvelles ressources. Est-ce qu'on s'attend à découvrir de nouvelles ressources dans nos zones? Prospecting. Ouais, zéro. Dans la zone de Boston, on est sûr qu'on peut pas découvrir plus de trucs. T'as pas de puits de pétrole? Et hop! Pas pour l'instant. Ah, ça se trouve, il n'y en a pas sur la planète. Comme c'est une planète générée entièrement aléatoirement et sans que j'ai eu le. J'ai pas pu voir ses stats avant, avant la partie. Ce que je trouve super cool. Mais du coup, oui, voilà, tu. On verra bien. Le hasard, ouais, c'est ça. Je sais que tu peux en synthétiser beaucoup plus tard. Donc au pire, on attendra à ce point. Ce sera une partie autour de l'infanterie, ce qui donnera un avantage encore plus grand à nos cataphractes. Ça me va. En parlant d'infanterie, il y a le. Il y a la bêta fermée de Broken Arrow qui va passer en ouverte, je crois, qui a l'air vraiment cool. À partir de bouffe ou d'énergie, ça marche. Alors, tiens, en parlant de carburant. Je pensais pas qu'il pourrait se replier sur un bras de mer aussi large. Bon, en tout cas, nos buggies, c'est bon. On a deux toutes petites unités de buggy. Ça va nous servir d'éclaireur. Par contre, j'ai complètement oublié de déplacer ces gars-là. Ok, de toute façon. Ils sont coincés. Commerce à privé de crédit, 25%. Ici, on a quelque chose qui pourrait m'intéresser. On partira voir ça.
Là, on a un bottleneck. Le reste, ça va bien. Le reste, ça passe bien. Parfait. On fera passer nos blindés sur cette case. Ces gars-là ici. Et puis on terminera d'anéantir cette unité. Ce problème-là, il est réglé. Bon, maintenant. La question de la nourriture. C'est quoi le raccourci pour construire? N'a pas. Il y a déjà un asset présent. Ferme privée, ouais. On va faire la ferme ici, hein. Ou alors je la fais là sur l'eau. Il n'y a pas d'intérêt à construire sur la case de l'eau. Puisque tout est d'abord centralisé. C'est-à-dire, c'est pas le. Oui, non, à ce niveau-là, c'est vachement plus abstrait que ça, donc ça va. À la limite, ça va avoir un aspect RP. Est-ce qu'on met des morceaux croustillants dans notre nourriture? Bon choix au début. On va mettre des morceaux croustillants là-dedans. 5000 hommes, un outil, ça c'est ok. 100 de métal, c'est largement ok. 60 points, on a ce qu'il faut. Attention. On aime le croustillon. Le faire, c'est important pour la santé. Tiens, un gros coup de barre dans la tronche. Comment ça se fait? Ah, on le salvage peut-être ça. Soit 119 délivrés par la milice. Ah. Ok. On fera un point de scavenging ici, sur les ruines des monos. Et le reste, ma foi, on n'est pas trop mal. Il n'y a pas possibilité de faire des barrages hydroélectriques dans le jeu. C'est un bon départ en tout cas. Maintenant, il n'y a plus qu'à choper une autre ville pour commencer l'expansion. Ouais, on va se faire. Bon, on va sûrement. Sûrement partir par là pour choper ça. Faction, ouais, t'inquiète pas pour ça. Roger that. Roger that. Hop, comme ça me permettra d'explorer un petit peu. Et le Massolum Imperium.
Ok. Semaine prochaine. Non, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, il y a de nouvelles quelques sorties vidéo qui m'intéressent. Je crois qu'il y a un jeu où tu diriges une usine de chars, une usine de fabrication de chars qui va sortir. On le fera. Et puis, mars-avril, il y a pas mal de trucs. Si on est encore sur Shadow Empire, ce qu'on fera, c'est. On fera comme avec Combat Mission l'année dernière. Ah merde, ils sont passés là. On fera au moins du Shadow Empire une fois les mercredis. Si jamais on se retrouve sur Bouquet. Il a l'air cool le jeu de chat. Ouais, il avait l'air bien. Convention des gouverneurs. On en a qu'un seul. Je joue un peu avec ma nourriture, mais bon. Arm Crate Tycoon Tanks, c'est ça. Et c'est une sortie en Early Access, hein. 6 février, ouais. Oh, Moxa. Sûrement, ouais. Je vais regarder. Il y a des jeux qui sortent pas en Early Access. Final Blitzkrieg est pas sorti en Early Access. Son DLC non plus. Ouais, sorti en Early Access. Disons qu'il y en a moins qu'à une époque. Last Train Home n'est pas sorti en Early Access. Dans les derniers qu'on a fait. Pas de changement dans le financement. On est en hiver donc on produit un peu moins de nourriture, ça me semble normal. Enfin, ça devrait être pire d'ailleurs tour suivant, mais c'est pas. C'est ok. C'est ok, on va pas penser au fait que ma production alimentaire est sous dôme et que du coup ça devrait pas. Les températures devraient pas trop jouer, mais. On verra bien ce que ça donne. Au pire, on en achètera pendant un petit moment. Le temps de refaire d'autres fermes. Et la chaîne qui va avec. Production d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je crois que c'est tout.
à technologie et recherche, enfin recherche complétée, l'université. Le carburant se casse la gueule. Ça m'embête. Hop. On n'a pas découvert de compagnie maritime, donc je vais pas y consacrer de budget pour le moment. On perd un petit peu d'argent. Ce qu'il y avait d'une ruine, ouais. Les ruines des Momo. Et Mono, pardon. C'est bien ça hein, que je fais. Donc ce qui va nous coûter 4000, enfin 2000 sur deux tours, 50, 135, tout ça c'est ok. Il nous donnera 10 métaux rares, 30 de fuel et 40 de métal. Youhou! On va faire un port. Organic furnace. Scavenging Furnace. Ça consomme rien tout ça? Scavenge Point. Scavenge will be fed. C'est dommage que ce soit pas marqué que ça consomme les points. Oh! Et ici ça utilise les arbres aux alentours. D'accord. Allez, le coup de grâce. Going in. Mission successful. Ça tue les arbres sur l'ex. Uniquement sur l'ex ou sur les ex aux alentours aussi? Quand il y en a plus, ça produit plus. Yay! Bon voilà, on va utiliser les buggy pour finir de nettoyer cette zone. Mais globalement, ça c'est fait. Je crois que sur l'ex, mais pas sûr. Ça marche!